Alors, on affronte un joueur deuxième dan sur KGS. On a les pierres noires forcément du coup, parce qu'on est premier dan. On va s'emparer du coin en haut à droite. En tout cas, s'y installer. Qu'est-ce qu'il va jouer? Il joue Oshi en bas à droite, ok. On va jouer double Oshi. Et lui, Oshi ou Kumoku, j'imagine. Également jouer celui-ci. Hein. Un joueur qui joue un peu plus lentement que les adversaires des autres fois. Qu'est-ce qu'il va décider? Lui-même ne sait pas trop. Hein. Début de partie assez lent, du coup. Et il fait Oshi également. Très bien. Dans ce cas-là, on va s'emparer d'un coin. Déjà. Voir, j'ai envie de voir en fait de quel côté il pousse pour voir un peu quel style il entreprend. S'il pousse de ce côté, il va essayer plutôt Moyo par exemple. Ok. Et très souvent, on voit quand même plus R4, j'ai l'impression. Dans les parties de pro, je vois plus le côté R4, même dans les parties de personnes qui sont un peu au-dessus de moi, tout simplement. Parce qu'on aime bien jouer à différents endroits, investir sur différents endroits, alors que là, il investit tout sur le bord sud, on peut dire. Donc moi j'y vais, hein. Et il me joue ça, très bien. Ça menace qu'il récupère le coin et que moi je m'installe de ce côté, non, c'est ça? Il faut que je lise un petit peu pour trouver quelle couleur s'installe où. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. D'accord, c'est moi qui suis enfermé dans le coin en faisant ça. Et lui qui prend une influence ici et qui s'installe ici. Mais après, ça fait pas mouillot non plus, parce que ici, pendant une petite extension, on peut écraser quand même. Donc ça me va peut-être. Je peux jouer ça. Après, il s'installe un peu de ce côté, mais je vais en Oshi, je veux pas être trop écrasé, je pense. Plus bon, aussi bien il va se rétracter et jouer R5. C'est pas impossible non plus. Mais ça m'étonnerait, parce que dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué R5 direct et je jouais S5 et continuer, je continue. Ce qui revient au même. Ah, c'est bizarre qu'ils mettent du temps à jouer là-dessus. Parce que c'est vraiment pas ce coup-là le plus compliqué. Soit il continue, soit il se rétracte, quoi. Ah, peut-être qu'il y a aussi R7. Parce que là, je viens là. Je viens ici. C'est comme si j'avais été là. Il continue. Donc je continue, il continue, et je tenuki. Il tenuki lui-même. D'accord, très bien. Je sais pas si... Là, on me l'a jamais fait, ça. Donc je ne sais pas si je dois revenir ou pas. Qu'est-ce que je peux subir ici? Soit c'est des joseki normaux. De toute façon, je peux pas me faire couper mes pierres, vraiment. Si je viens là, contre pince que je viens ici, il va me déchirer, c'est assez dur pour lui. Certes, il peut double approcher là, mais on fait mal, quoi. Et si je viens ici, il vient là. Je viens ici, je viens là, je vais là. Ça c'est compliqué. Si je viens ici qui coupe, peut-être que je dois aller là d'abord. Tac, tac, ou alors je viens ici tout de suite. S'il protège comme ça, on revient ici. Je peux aller là, je prends le chicho, mais après quand il y a une double approche, il a un contre deux chicho. Donc c'est assez embêtant. Je capture, mais du coup il peut rejeter un troisième coup presque. Je pense qu'on va tout simplement répondre, mais c'est un peu embêtant de suivre le jeu de l'adversaire. On va tout simplement répondre une fois.
Je pense qu'il va revenir en vrai. C'est assez gratuit de rajouter un coup ici. Parce que Noir va très probablement répondre. Hein. S'il joue là ou là, ben c'est menace coupée. Alors que s'il fait sa séquence en haut à gauche, s'il finit goté, ça peut être assez chiant ici quand même. Donc bon. Ici, qu'est-ce qu'il aurait comme choix? Bon, très souvent c'est C16, hein. Mais en C17, il va en B17, je fais Atari, il protège, et ensuite, soit je fais ça, je finis goté souvent, soit je fais ça et je finis Sente, c'est ça le problème. Donc il rajoute un coup. On protège. On va revenir là, tac tac, et faire la suite d'Atari. Pas très fan, forcément. C'est comme s'il était venu là, je viens là, finalement qui est le Joseki normal, et qui vient ici directement. Je vais là et ça devient miaille entre la paire de cette pierre et le double année ici. Bah, le année sur la tête 2 de pierre ici, donc je suis pas très fan forcément. Et là je peux venir ici ou pas. Si je viens là, il vient ici, je fais Atari. Il vient là et je reviens ici. Je sais pas. Faut que j'essaie de retrouver qu'est-ce que ça aurait donné dans un Joseki normal. Tac, tac. C'est comme s'il avait fait le R2, mais pour ne pas faire le S5 derrière. Si je fais ça, tac, 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 il répond. Je suis obligé de rajouter un coup, sinon il y a justement cette faiblesse en S5 possible. Le Shijo mène là, je pense. Donc ouais, tac, tac, Atari, tac, gueule de tigre. J'ai aussi ça, hein, on se fait vraiment écraser, c'est pas agréable. Tac, tac. Atari. Mais il se fait un très beau mur, donc je doute de ma séquence. Parce qu'il a vraiment un mur incroyable. Donc il faudra vérifier qu'est-ce qu'on a mal fait ici. Même si, ben, pas l'impression qu'on ait fait d'erreur. Mais après, en soi, avec le S8, on est vraiment costaud en direction de pierre. On peut menacer derrière un coup par là, une fois qu'on a fait ce coup. Et s'il y vient lui-même, certes, on peut se faire écraser, mais là, il n'a pas répondu là-bas. Mais ce coup-là est important, donc il a peut-être envie de le jouer tout de suite. Ah ouais? Ok. À la place de jouer l'extension, moi je pense que j'aurais joué le P8 à sa place. Vraiment inciter l'adversaire à venir. Très bien. Dans ce cas-là, ça donne envie de kick et d'attaquer. On va faire ça. Il n'a pas joué avec cette pierre, donc là, on la kick et on l'attaque d'une manière ou d'une autre. À moins qu'ici il ignore, il aille en C6, je vais en D14. Mais je suis pas fan. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Très souvent, quand on fait Kosumitsuke, vous répondez Nobi. Donc là, c'est un peu bizarre. Notamment parce que un jour, si j'ai une pierre en C12, ça menace de connecter par au-dessous. Il peut pas bloquer. Donc c'est bizarre. Ça m'empêche pas de penser. J'ai presque envie de venir par là. Même s'il pense, il restera justement ses approches où je peux passer au-dessous ou sortir. Donc ça me donne presque envie d'aller par là. S'il pense... Au Sensen. Ou alors je viens là directement, mais... Non. Non, je suis pas très fan. On approche, il aura envie de penser pour jouer avec ses pierres, je pense. Il restera des faiblesses. Même s'il obtient le Toby un jour, il reste toujours des faiblesses, c'est chiant.
c'est le Kosumetsuke que je monte, qui saute. Je fais mon extension, une troisième ligne tête, je sais pas, quatrième, qui attaque à la fossé de pierre et qui protège mes pierres tout simplement en faisant une extension. Hein, ouais. Ouais. Comme d'habitude, hein, pour ces séquences-là ou ici, n'hésitez pas à regarder sur les SGF que je mets dans la description pour regarder vos propres variations. Voir si vous êtes d'accord avec ça ou pas. S'il y avait des petites TSUJ cachées et tout ça. En tout cas, c'est un joueur qui joue lentement comme moi, c'est bien. Faut regarder après comment on pourrait développer par ici. Un coup par là est important, mais un coup par ici l'est tout autant. Ou peut-être là, je sais pas. Ouais, il pince. Je sais pas trop comment on fera. De toute manière, il y a des chances que ce soit lui qui ait le CNT qui approche et on devra s'adapter. Ici, soit on prend le coin, soit on fait une double approche. Je pense que prendre le coin, c'est très bien. Ouais, ça a l'air quand même ok. Il va en D3. Sinon, s'il va en C4, c'est possible, j'imagine, hein, mais on fait la séquence après. Mon approche en D10 attaque à la fois la situation ici, et ces deux pierres, donc je suis vraiment pas fan. Je pense vraiment qu'il va faire D3. À moins qu'il ait pour objectif de vraiment finir Gauté. Ouais. Tac, tac. Il vient là. Ouais, non. De toute manière, c'est pas ce qu'il envisage, donc on arrête de lire ça. Il monte, je descends. Il monte. Ah. Ah, il veut vraiment ses points ici. D'accord. Mais normalement, le Joseki, c'est aller en D6. Donc je pense que je dois aller là. Quand tu peux couper, tu coupes. Voilà, son haut Gema, le grand Kema, là, est coupé en deux. Et il sait pas. Et ici, comme je suis descendu une fois, je ne risque pas ces coupes-là. Blanc, noir, blanc, noir. Blanc contre Atari, je capture la pierre. Et quand il descend, en fait, quand je vais là, j'ai trois libertés, lui deux. Donc ça va. Certes, il va me couper, hein, sûrement. Mais... Pff, je vais pas faire ça. Hein. À la rigueur, je peux faire ça. Tac, 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 tac. Et s'il descend, en fait, le problème, c'est que ça devient bien. Donc on va aller là tout de suite. On respire avec ça, hein. Il va couper. On va... aller comme ça, pour protéger, justement. Parce que là, s'il descendait, tac, Atari, capturé. Donc là, on descend ici. Il vient directement, ok. Pas très fun de venir directement, parce que ça enlève un jour quand il aura le B8. Ça enlève des coups vers B5 pour lui. Qui menaçait soit de connecter après en C5, soit de passer au-dessous en B6 pour connecter. Donc ouais, pas très fan. Il vient ici. Très bien. Et dans ce cas, je pense que c'est là. Si on joue ici, certes, ça met plus de pression sur ses pierres, mais elles sont quand même sacrément costaudes et on voit direct le prochain coup de blanc. Si on fait année nous-mêmes, bah, il continue, on le construit et nous, on est assez faible. Il faut aussi regarder si je joue là, j'ai 3 libertés. Alors que si je joue ici, j'en ai 4 et on met quand même davantage la pression sur ses pierres. Ça m'étonnerait même pas qu'ici, il vienne en C1. Mais il faut faire attention à ces pierres-là, hein. C'est vraiment vulnérable. Bon, par contre, il y a des proverbes qui disent si noir a les quatre coins, noir a perdu. Donc bon, on va faire attention à ça. Bon, cela dit, pour l'instant, j'ai pas encore le haut à droite, hein, mais... Attention aux proverbes. Et on dit aussi que si blanc a les quatre coins, noir a perdu.
Ah, les formes de blanc ici sont assez douteuses. Sachant qu'on peut encore réduire ces trucs-là, je pense. Je me demande ce que ça donne un coup vers L4. Il fait des parts dessus, hein, je pense. Il n'a pas envie que je sorte. Vu comment il tire à son territoire, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse celui-là. Dans ce cas-là, je peux faire K3. Tenter de vivre au-dessous. T'arrives, tac. Voilà, on glisse. Ah, je sais pas. Pas pour tout de suite en tout cas. Donc il protège d'abord. Très bien. Si je fais ça. Il aura pas envie d'aller là. Sinon je fais Atari et moi je connecte mes pierres. Donc il aura envie d'aller là. Est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que je perds ce coup en fait? Je fais ça, il va là, et finalement, ouais, ça retire quand même des possibilités à ses pierres. Donc, on peut peut-être juste sauter. Il va descendre, c'est pas sauté, et je peux m'en aller. Et s'il descend pas, il peut aller par là, on connecte. Et quand il joue un autre coup, à ce moment-là, on peut venir là. Et il fait Statari. On vient là et on est goté. Ouais, non. Tac, si je joue un autre coup, il faudra partir. Déjà, on va venir là. Prends un peu de place, on continue de mettre un peu de pression. Mais ouais, je sais pas, le timing du B8, je sais pas. Je pense qu'il va y aller maintenant. Ça aussi, on peut peut-être pas approcher tout de suite là, parce qu'on a quand même des pierres qui sont instables ici. C'est des pierres de coupe, on a envie de les garder en vie. Pas certain de comment traiter ça. Il joue ailleurs. Ok. Si je m'écrase. C'est un peu bizarre. Est-ce qu'il peut jouer là après? On va faire Atari, lui faire faire un angle vide. Faire tarer de l'autre côté, on capture. S'il va, on couvre par-dessus. Ça fait quand même une très belle influence. Donc, certes, il prend le coin, mais on commence à faire un moyau qui rivaliserait avec celui-là. Donc, ce sera assez dangereux de sa part. Je sais pas ce qu'il va faire ici, lancer un coup. Ça serait peut-être pas très utile. Il était bizarre son coup. Bah, du coup il connaît comme ça. Je vais ici, j'ai un gros coin, il n'y a plus le. Il y a plus le Yossé en C17, c'est bizarre. Hein. C'est douteux, on peut dire. Ma forme elle est bien. Tranquille. Finalement, toujours aller en B13 pour faire du EC et après peut-être qu'il y a des petits coups, je sais pas. On verra plus tard. En tout cas, pour le moment, c'est l'heure de partir. Effectivement, il va y avoir un attach ici qui permettra de le construire. Mais si je rajoute un coup solide en F15 qui l'empêche de faire ça et qui le maintient quand même pas très costaud, c'est moi qui vais subir ici, d'une manière ou d'une autre. Rien qu'un coup par là pour blanc, on n'aime pas noir. Donc on va jouer d'abord par là, lui-même. Il faut regarder quand on joue cette forme. Il faut imaginer qu'est-ce qui se passe si blanc vient par là ou vient par là. S'il vient par ici, on connecte, il peut s'en aller. Hein. Dans ce cas-là, on peut jouer ici. Et quand il vient là,
On peut faire atterrir. Si capture. Maintenant capture. Mais si protège, maintenant capture. Tac, il ferait l'atterrir d'abord ici. On vient là. Ensuite il vient ici. On vient là, il capture. On vient ici, il protège. On vient là, il protège. On fait atterrir. Tac. Il y a beaucoup de problèmes. Celui-là a l'air plutôt ok. Donc on va aller jusque là. C'est la forme. Et en vrai, oui, il peut s'appuyer par là. Je connecte. Et il saute. Quelque chose du genre. Ou il saute là. Pour maintenir la pression de tout côté, ça dépend de ce qu'il veut. Parce que s'il saute là, ça peut aussi vachement réduire le potentiel du burner. Mais oui, un coup vers F15 pour les deux, c'est bien. Peut-être que je pourrais aller là aussi. Il y a de la pression. Il est là, je dois monter. Ça pouvait jouer aussi, je pense. Ouais, parce qu'après, s'il protégeait de ce côté. On avait B9 peut-être. S'il connecte, on monte. S'il connecte ici, on peut couper. Non, peut-être pas. Non, c'est précoce. C'est précoce, c'est précoce. En tout cas, il doit faire attention à sa base de vie. Il y a des petites faiblesses quand même à certains endroits. Et moi, je dois surveiller ça. C'est un peu embêtant de fuir comme ça, parce que vraiment, c'est difficile de s'installer, de venir envahir, quoi. Ouais, Boshi. Ok. Ok, ok. Boshi, c'est... Quand on regarde les deux pierres, elles sont en relation en quelque sorte de Toby, et c'est jouer au-dessus, vers le centre, quoi. Comme si moi je jouais là par rapport à cette pierre, quoi. Ok. Dans ce cas-là, je viens là. Il vient ici. Tac. Je fais atterrir, je viens. Je sais pas. Peut-être que je dois aller là d'abord, mais je sais pas si c'est vraiment très sainté. Parce que. Tac, 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 double tac. Non, c'est pas très sainté. En fait, si je cours trop, il va encore construire. Pas envie. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Je peux pas bloquer. Capture. Ok. Tac, tac. Tac. Si on est comme ça, noir. Blanc. Noir. Blanc, on peut pas aller là. Donc si je fais ça, il va aller là. Je coupe ici, capture, je vais là. Après on sacrifie peut-être un peu là, mais on connecte. Après on peut venir. Je sais pas si on est sainté. Noir, blanc, noir. Blanc. Noir. Négoté. Noir, blanc. Noir, blanc. Ça finit pareil les deux en fait un peu. Mais on est goté dans les deux cas, il vient par là. Moins qu'il risque d'être des approches. Mais je pense qu'il va d'abord acheter un coup, être très très gros. Et certes on a connecté, mais s'il a tout ça, c'est quand même très très gros. On peut peut-être ajouter un coup par là. Mais... Est-ce que ça vaut pas plus le coup de jouer par ici? Il vient là, je viens là. Il vient par là. On menace nous-mêmes de séparer sa pierre. Et c'est peut-être un peu dangereux. Ouais. On va dire
reconnecte tout de suite. Hein. C'est plus rassurant quand même. Je suis pas certain que ce soit bon, mais c'est rassurant. De se dire, ok, j'aurais plus aucune faiblesse. Il fait l'Atari d'abord, tac, tac. Il aurait plus qu'une liberté là, ouais. Ok. Ok, ok. Parce que là, tout à l'heure, ce que je disais, c'est s'il vient ici, que je descends, qu'il connecte, et après là, quand il monte, je disais qu'il capturait ces deux. Donc là, j'étais obligé de faire ça. Mais s'il faisait l'Atari, là, je pouvais vraiment défendre ma pierre. Donc là, il vient là, je peux pas aller là, sinon il connecte. Fin de l'histoire. Donc ici, il faut... Atari. Il peut pas aller là. Sinon je capture. Donc il capture cette pierre et je capture ça. Donc ça au moins c'est fait. Mais ouais, je donne beaucoup, j'ai l'impression, quand même. Après, là, quand il capture et que je capture, s'il veut continuer à couper, on va envahir tout de suite, quoi. Je pense. C'est vrai qu'on se coupait un peu de manière moche, mais... Peut-être que je vais là. S'il continue, je vais peut-être là. Je sais pas. Ou ici, hein, tout simplement. Il coupe. Je sais pas. Il a pas la meilleure forme non plus, hein, mais bon. S'il pousse, peut-être que je peux aller là. Ici. Blanc, nord, blanc. Tac. Blanc, noir, blanc. Noir, blanc. Ici, on ne connecte pas en fait. Tac, tac, tac. Blanc. On n'a plus rien. Donc c'est ça qui connecte nos pierres. On peut venir là par contre. Donc il vaut plutôt mieux venir là tout de suite. Il va couper de ce côté, hein, s'il coupe, parce que s'il coupe de ce côté, Atari, on va là, et ça abîme son bord sud. Donc c'est une mauvaise idée. Donc on vient là, il coupe ici, et je... Et on revient là. Voir ici, maintenant, on peut. Ou alors on laisse, mais c'est un peu bête, parce que quand il vient là, ça abîme vraiment toute la forme, quoi. Donc on vient ici. Il coupe et on revient par la double gueule de tigre. Oula. Mais ça lui laisse l'Atari ici. Tac, il capture. Il se refait un petit peu nuki. Un peu embêtant. Alors que celui-là, bah, il protège quand même la coupe aussi. Hein. Oui, il est moins virulent de ce côté. Mais après, il menace aussi. Atari, il sort. Je viens là. S'il essaie d'enfermer, je viens là. Faut pas couper sinon je capture. Donc il sort. Continuer, il sort, je vais là, et finalement il y a encore des discussions ici. Donc ça posait problème. Il a envie de rajouter un peu. Ici ou là. Ça c'est pas mal parce que quand il revient, Atari est plus coupé. Mais il vient là, il vient dans le point vital du Kosumi, ok. Intéressant. Intéressant. Qu'est-ce que ça me donne envie de faire maintenant?
Si je vais ici, non, ici, Atari. Ensuite, je vais là. Ouais, non, il veut ici, il fait l'Atari, c'est une erreur, certes. Ensuite, on pousse et guetta, mais il fera pas ça. Tac, 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 il vient ici. Tout simple. Ouais, non, c'est ça. Ça sert à rien. Ouais, mes formes sont pas incroyables, hein, quand même, il faut le dire. Donc, noir, blanc. Noir. Mais blanc. Noir. Blanc. C'est pas agréable. Mes formes sont vraiment pas belles. Qu'est-ce qu'on a envie de faire à ce moment-là? On a des coins, certes, mais noir a un territoire incroyable. Et maintenant, ça marche beaucoup moins parce qu'il n'y a plus de chichot de ce côté. Donc, ouais, là, c'est compliqué pour moi. On jouait par ici. Frontière des moyaux. On va essayer de menacer de développer également, mais en même temps de réveiller les approches. Oui, s'il fait ce coup, ça fait chier, mais c'est pas grave. On appuie. Il recule. On vient par ici. Et on essaye de dire, oh, regarde ma boîte ici. Elle a un peu la même tête que ta boîte là. Sauf que moi j'ai des coins en plus. Et t'as 0,5 de commis. Ok, il va approcher comme ça. Comme l'autre. Ok. Bon, bah, c'est parti pour du combat. C'est parti pour du combat. Il y a 0,5 de commis, je pense, parce que. Oui, parce qu'il a un niveau de plus. 0,5 de commis. Ok. Et il approche ici. Donc on peut venir là, il monte, je vais là et il étend. Ou alors il vient ici, pousse là. Ouais, on va faire ça. On va dire non, le coin est à moi. Je pense qu'il monte. Ouais. Et il étend là. Et on vient mettre la pression directement. D'une manière ou d'une autre. Soit le Boshi, ça a l'air pas mal. Boshi, il menace quand même d'aller là et de recréer une autre zone. Alors qu'aller directement, il sort et c'est. Oui, certes, il est pas encore vivant là, mais c'est incertain. On va faire le Boshi. Faut pas essayer de tuer frénétiquement, il faut enfermer d'abord. Retirer une direction de jeu. Si tu l'empêches de faire un œil, mais ici, mais finalement, qui sort et. Il fait des choses à l'extérieur, bon, ça a servi à grand chose. Ouais, ici, s'il rajoute un coup localement, on peut jouer par là et dire ouais, mais maintenant, regarde, j'essaie de faire le burner. Donc ça peut être intéressant. Peut-être que j'aurais dû choper le timing du UD1. Bon, maintenant, c'est plus du tout l'histoire, mais c'est gros. C'est assez gros. Et du coup, il sort comme ça. Très bien, petite forme de la fleur. Pouf, pouf, pouf. Je vais faire Atari d'abord. Hein. Ensuite, quand il revient, je fais Atari. Tac, tac. Venir là. Et de ce côté, si je viens là. Moi ici. Si je viens ici, Atari, tac. Ah, c'est pas idéal. On ferme pas de manière très propre. Attention parce que ce sera pas exactement sorti non plus et ce sera pas exactement deux yeux non plus tout de suite.
C'est pas clair, en fait, ce qui se passe ici. Il pousse comme une brute. Il atterrit comme une brute. Il va aller là. Ouf, ouf. Mais pas grand chose pour l'instant, j'ai l'impression. Par contre, ici, noir. Même là, noir. Noir. Qui va là, on monte. Après, il faut que je fasse attention à ces quatre pierres, oui. Noir, parce que s'il vient là, je vais ici. On met de la pression. On recule. Il va descendre. S'il descend ici, je pense que je reviens par là. S'il capture, il y a peut-être encore des petits trucs par là, c'est pas très clair. Mais avec mes formes, je pense qu'on peut pas tuer ça, hein, parce que il appuie là, je viens là. Il vient ici, je viens là, il revient ici, il menace de faire un œil là également. Ouais, ça garantit quasiment la vie. Parce que j'ai des faiblesses. Ok. Ok, ok. Ouais, je me demande s'il peut même pas aller directement là. On a vachement de faiblesses dans nos formes aussi. Compliqué. C'est compliqué. Comment on a réussi à... Ouais, on a vraiment... J'ai vraiment pas géré la situation, parce que à partir de cette attaque, je pouvais quand même faire beaucoup mieux, je pense. L'impression que je vais pas obtenir grand-chose, si ce n'est même des faiblesses. Et finalement, lui, il a son gros truc, j'ai les quatre coins, mais c'est pas du tout suffisant, et c'est fini. C'est assez bête, hein, parce que, en vrai... Ouais, il a joué simple, quoi. Ok, il décide de jouer comme ça, moi je vais protéger, hein, tout de suite. On a quand même des sacrées faiblesses, donc on va pas faire le malin. Je suis assez étonné, hein. Je pense que s'il connectait, ça allait, non? Voir s'il allait là directement. On aurait peut-être été là tout de suite. Poser une question. Tac, tac, il vient ici. Ça menace à la fois de jouer quelque chose par là. Ouais, bon là, il menace toujours le coup, oui, c'est vrai, mais... Si on connecte, il peut aller là. C'est embêtant. Donc il faut aller par là. Il vient ici, je vais là. Il vient ici, je vais là. Est-ce qu'il doit rajouter un coup? Donc il a une pierre blanche là. Si je sors. Il peut aller là. Ouais, il est vivant. Donc par exemple, il faudrait que j'aille là. Mais il peut aller par là. Là et ici je vais là, il recule ici, je vais là, et c'est pas évident. Blanc, noir, blanc, noir. Noir certes, mais blanc, une pierre ici. Il manque une liberté là, j'ai plus que trois libertés. En vrai, il vient ici, je suis mort. Donc ouais, je suis obligé de rajouter un coup par là. Ah, c'est énervant. C'est énervant. Parce que ici, j'ai pas pris les deux pierres non plus, j'ai pas mon moyo qui s'est déplacé. C'est vachement embêtant. Ce coup, je réponds pas, hein, je pense. On va plutôt mettre soit la pression sur ces pierres. Ouais, c'est compliqué. Soit je vais par là.
qui menace de revenir et de mettre la pression sur ses pierres. Mais il faut que je développe des points, quoi. Ouais, j'ai trop laissé ici, du coup. Dommage. Il va réduire. Comment on fait? Tac, il peut venir là, c'est assez dangereux. Aussi bien ça, tout simplement. Tac, tac. Non, c'est dégueulasse. Kosumi, il descend, je viens là. Je viens là. C'est dangereux. Ah, j'ai rien qui marche très bien. Il est fort, hein. Il est très fort. Je vois pas quoi faire ici pour répondre. Il est très très bon. Ça, il va là. Je vais là. Il va là. Tac. Atari. Tac. Coupé. Ok. Si je vais là, je vais aller ici. On s'écrase vachement. Ah là là. Tac. Tac. Y'a rien qui marche, c'est incroyable. Hein. Rien qui marche pour moi. Donc agressif peut-être. Tac, mais s'il pousse et que je bloque, il peut couper. Tac. Donc je dois reculer. Il vient là, je recule. Je prends ta pierre. Tari, tac. Ouais, on va essayer d'être agressif, quoi. Il fait une mauvaise forme, on va dedans. Mais il a sûrement des coups d'approche. Ouais, je me suis fait un peu guidé par le bout du nez. Ok. Il va pousser ici, tac. Non mais il va se fermer. Je pense. Tac, tac. Non, il part tout de suite. Connect. Et il est plutôt bien. Ouais, ça a réglé aucun problème. Là, il faut aller là, et quand il vient là, il faut aller là. C'est dégueulasse. Tac, tac, tac. Parce qu'on s'écrase deuxième ligne. Et il faut compter un peu. Je vais compter, si j'ai vraiment pas assez, je vais abandonner, hein, je pense. On va compter, une fois qu'il aura fait sa séquence ici. J'ai pas le droit de faire ça. Ah, blanc, ah, blanc, c'est la merde. Mais il grignote bien. Oh là là, bah oui, parce que... Si il même j'aurais peut-être fait l'atari d'abord. Tac, tac, il descend. Je devais connecter, mais il peut aller là. Là, si je viens là, je peux aller là, Atari. Ah, il joue bien. On va le tenter quand même, mais... Attention, il faut que ça marche pour lui, sinon il a sacrifié des coups ici qui est intéressant. Et il aura pas pris cette pierre, donc il faut vraiment que ça marche pour lui. On va compter un peu. Je me compte un peu moins de 60. Et lui. Je compte faire 75 quand même. Ah là là. On vient par ici. Il faut mettre la pression, quoi, on va dire.
Mais ouais, je le compte en avance. On sait plus quand même, hein, mais... On va continuer à mettre de la pression, on va voir. On reste 23 secondes, après on passe en biomi, 5 x 30, je crois. Et pareil pour lui, hein, mais il reste 3 minutes de plus. Je sais pas si je devais tourner, je devais peut-être faire l'Atari d'abord, un truc genre. Parce que là maintenant, s'il court par ici, en fait, d'une manière ou d'une autre, je peux pas faire ça. Parce qu'il fait Atari, tac, et il prend. Il reste de liberté. Là, je tournais un peu trop vite, peut-être. Ça donne envie, hein, ça abîme vachement les pierres, mais s'il peut me recouvrir, peut-être pas. Parce que je fais ça, et ensuite je fais... Ah, il a pas beaucoup de masse. Il a pas beaucoup de liberté, mais moi non plus, en fait, c'est ça le problème. Ok. J'essaie de revenir par là. Si je viens ici, il vient dans la forme, je pense. Il menace d'aller là. Donc je protège, même si je prends cette pierre, en fait, puisque ça menace de prendre cette pierre, hein, certes. Mais il peut aller là, et si je prends la pierre, bah, lui, il capture les 4. Donc il s'en fiche. 5, 6, 7, 8, 9. Si on va ici, il monte. Si j'essaie de bloquer, j'en peux pas. Bon, il va faire des belles formes. 10 seconds. 1, 2, 3, Ouais, on ne peut pas 4, faire de belles formes, nous, 5. de manière. Donc on va protéger comme ça. S'il monte, on fait le bon bout. Mais il ne monte pas. Il veut plus. Il veut encore plus. Effectivement, ici, on va connecter parce que même si on essaie d'être gourmand en jouant par là, maintenant il a ça gratuit à tout moment, il connecte, donc on va connecter, pas faire de bêtises. Mais oui, effectivement, il se donne du renfort un peu au cas où et il va revenir jouer de ce côté. Je comprends. Oula, va devenir gros, vraiment. Vraiment, vraiment gros. Et il vient par ici. On va revenir par là. Il vient ici, et là, est-ce qu'on peut pas séparer? Il vient ici. Je viens là. Tac, tac. Tac. Ah non, on peut pas. Merde. J'ai cru, mais non. Ouais, bon, là, c'est la merde. Tac, tac. Non, il n'y a rien. Tac, il peut même couper tout de suite, en fait. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a rien du tout. Quand il protège, on va venir là. S'il va ici, on vient là. Il peut pas protéger. S'il vient ici, on vient là. Il peut pas couper. Donc là, il vaut mieux qu'il prolonge comme ça. Je tombe sur un adversaire quand même vachement costaud. Ouais, je suis obligé de connecter de façon très dégueulasse. Angle vide. Et connecte. Je
pense pas que je pouvais... Non, je pouvais même pas forcer dedans avant, parce qu'il pouvait couper tout de suite. Voilà, il connecte d'une façon ou d'une autre, hein, mais en vrai, est-ce qu'il a besoin de connecter, est-ce qu'il peut pas... Et là, je pense qu'il il regarde, est-ce que je suis obligé de connecter ou est-ce que je peux pas rajouter un coup par là, qui l'empêcherait de partir de toute façon. Ouais, il se compte en avance, donc autant connecter. On prend ça. Il faut venir réduire, sauf que c'est ici, jusque-là, je comptais, donc... Ouais, il va peut-être vouloir rajouter un ou deux coups parce qu'il veut pas mourir ici, ce qui est compréhensible. Mais c'est la merde. il vient par là. Intéressant. Ok. Ok, noir, blanc, noir, blanc, noir. Noir, blanc, 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai jamais assez de liberté, ouais ça marche pas mon truc. Noir, blanc. Noir, blanc, ah non, parce qu'il y a ça. Ça ne marche pas, mon truc. Ça ne marche pas du tout. On va venir par là. Venir par ici. Mais je ne pense pas que ça suffise. Je me comptais quand même une quinzaine en retard. Donc et là, il fait des points ici. C'est le problème aussi. On a récupéré ça, on a récupéré ça. Dur à dire. Là, on peut venir par là et jouer ici. De faire 2-3 points et lui retirer lui 2-3 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il vient là-bas d'abord. Oui, c'est gros, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et si du coup je peux faire ça, bon, c'était... Peut-être que c'était plus gros pour lui, je sais pas, c'est un peu peut-être mi-high. Tac. Ah non, il peut pas. Et ici, quand je force, en fait, ça va pas faire tac, tac. Ah, déjà ici, il pourrait connecter de côté. Et de toute façon, il connecte ici d'abord, ça menace de prendre ses pierres. Je pense qu'il peut le faire tout de suite. Non, il vient par là. Il y a une faiblesse ici. Ça marche? Non, ça marche pas, ça. Ouais, c'est un peu gourmand de sa part là. On fait nos deux yeux. C'est un peu gourmand. Et là, il me. Ah, c'est une petite insulte quand même. Ok. Atari, tac, et là. Non. Noir. Non, non. Ah, tout simplement. Tout simplement. Ok. Bon, très souvent on dit, hein, quand on fait ces genres de années, très souvent on dit à connecter soit comme ça en dur, soit à la gueule tic pour voir les yeux. Et de temps en temps, en fait, c'est nobby quand il n'y a plus rien et qu'il faut prendre le maximum de points. Tout simplement. Si on va connecter. Il vient par là. Ok,
On va venir par là. Protège. Pourquoi il réfléchit. On va venir par ici. Ok, ici on risque rien. On va... Ici, de toute façon, il n'y a plus rien. Autant retirer un point. C'est quand même assez conséquent s'il répond pas. 10 seconds. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il reste des SNT vraiment? En fait, cette capture, elle menace quand même ça. Capture ici, on capture là. C'est assez marrant. C'est assez marrant ça. Pas pour moi. Après, je fais ça et capture, hein. C'est un coup, certes, mais. C'est quand même des choses. Peut-être pour plus tard, ouais. Peut-être que je devais faire cette attaque d'abord, certes. Comment j'ai pu laisser faire ça? C'est un peu, ouais, j'ai été très lent dans la partie quand même. Et c'est arrivé là. En tout cas, ça lui aura fait rajouter un coup dans son territoire, c'est cool. Par ici. Il vient là, tac. Maintenant, ça l'embête un peu plus de faire ça. Donc il protège. Et on fait l'intérieur. Ouais, c'est pas une séquence chouette pour lui, ça. Ouf. Ouf. Voilà. Tac, si on capture, ça menace vraiment des choses ou pas? Je pense qu'il va protéger, ça peut être chiant rapidement, ouais. Il perdra des libertés ici, il pouvait y avoir des trucs très chiants. Ça, bah non, je peux pas, parce que si je fais ça, il vient ici, je le capture, il vient là, je protège, il capture tout. Donc non. Donc ça c'est goûté, goûté. 10 seconds. Ça c'est goûté, goûté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peu importe, hein. Côté santé et côté santé, donc autant protéger un endroit ici. Là, il prend le CNT, c'est normal. Il prend ses CNT. J'avais trois côtés CNT ici. Ouais. Et après, il y a ces deux-là. Ça, de toute façon, c'est des coups qu'on doit rajouter. On va retirer celui-là. Bon, c'était goûté. De toute façon, voilà. Il restait dégoûté pour tous les deux. Je risque rien pour l'instant. Tac, tac, tac. S'il vient ici, je viens là. S'il vient ici, je viens là. Il vient ici, je viens là. Ok. 10 seconds. 1, 2. Autant faire celui-là, parce que sinon, s'il joue celui-ci, tac, tac, un jour on aura un problème de forme. Une fois qu'on aura complété tout ça, il pourrait. Et donc il faut imaginer plus aucune liberté ici. Il aurait pu faire le A6, je complète, et il fait ça, et je meurs partout. Donc il faut faire ce coup. Il est quand même assez important. Ok. On fait ça, ça protège notre point ici, en même temps ça le force à jouer. Et bon, ça on le fera rajouter. Faut pas forcer dedans, sinon ça enclenche des trucs un peu chiants pour moi. Ici, j'ai un point, de toute façon celui-là je devrais le compléter. Donc là c'est le dernier point qui me reste naturel. Et lui, bon voilà, il a des coups forçants, de toute façon je devais jouer tout ça. Tac, tac. Ah, Yasko aussi. Bon,
c'est un demi-point ici, là, ça c'était un point. Menace de coup. Bon, il y en a beaucoup plus, hein. Je pense. Quand même le jouer, je pense. Au cas où. Mais je pense, en regardant, il a une menace ici. Il aura une deuxième là. Troisième là. Quatrième. Cinquième. Ici, il y a un paquet. Il en a un paquet. Je pense qu'on va pas le jouer en fait. Et moi j'en ai une autre ici. Une autre là. C'est à peu près tout. Ouais, on va pas le jouer, ça sert à rien. Ça sert à rien pour moi. Rien ici. Il vient de perdre un point, non? Il y a un œil là. Bizarre, par contre là. J'espère que ça se joue pas à 0,5. Bon, je pense pas, mais. Tac. Ah oui, j'ai le réflexe de jouer tous les damés, mais en fait, comme on avait. J'ai visité en tournoi encore ce week-end là. Mais sur internet, y'a pas de. C'est vrai. Enfin, KGS, on sait jamais, hein, mais. Parce que là, il pourrait compter le R1 comme un point ou des trucs genre. Oh, je vais le surveiller, ça. Oh, il le joue. Super. Bon, je vais le jouer. Hein. C'est bien, il va accepter. En tout cas, si vous avez apprécié la partie, ouais, je vais quand même donner gros ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est toujours très bon pour le référencement de la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, et à partager la vidéo si vous le souhaitez également. En tout cas, commentez, donnez-moi vos propres variations si j'ai loupé des choses, j'en ai sûrement loupé. Et voilà, voilà, il y a les SGF en commentaire. Passez, voilà. Compte les points de l'adversaire. C'est serré, hein. On a eu un bon yossé, en fait, je comptais une quinzaine d'avance, on a eu un bon yossé, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Dommage. On a vraiment, ouais, au milieu de partie, c'était vraiment trop compliqué. Je dis merci pour la partie. Dommage, hein, 3,5. Bon, c'est comme ça. Ah ouais, non, au contraire. Si, ouais, ça, là, c'est en pourcentage de victoire sur le côté, mais... A priori, j'ai pris pas mal de retard... deux tirs de la partie, ouais, on a reculé pas mal. Bon, on va regarder ça. Analyser. Ouais, voilà, vous avez, bon, c'est un peu bizarre, mais vous avez le début du graphe jusqu'ici, là, jusqu'à peu près la moitié, et il continue de l'autre côté, du coup. Donc on voit jusqu'aux deux tiers de la partie, ouais, j'étais ok. Là, c'est en point, et après, ouais, bon, j'ai pris du retard, je rattrape un peu, mais bon. Ça n'a jamais été grosse différence de points, parce que là, ils disent que c'est 3,5, donc ouais, il n'y a jamais eu... 15 points de dégâts entre les deux joueurs. Et en pourcentage, c'est plus drastique, on va dire. Alors. Ouais, c'est bon, ces séquences-là, on regardera avec l'IA, mais... Je pense que pour me rassurer, en fait, bien là, si tu fais ça, c'est vraiment trop douloureux pour Blanc, il fera pas ça, c'est pas possible. Donc en fait, là, il m'a eu... c'était un petit tour de passe-passe, et en fait, là, je fais ça... La séquence, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, quand il fait ça, plus tard, ça ressemble à ce qui se passait dans la partie. Sauf que là, c'est comme s'il faisait ça. C'est bizarre, non? Ouais, c'est sûrement ça que je dois jouer. Bah, je sais pas. Non, bah non, puisque là, il peut venir là. Non, j'ai sûrement pas le choix. J'ai jamais vu trop ça dans ce sens-là. Je sais pas. En fait, si on joue ça tout de suite comme ça, peut-être que j'ai envie de faire ça et ça. Je sais pas. On verra. Ça semble bizarre. Par contre, l'extension, je suis presque sûr que c'est bizarre. Moi, j'aime bien ça. Mais certes, l'adversaire peut venir à l'intérieur, mais... Je sais pas, on aime bien utiliser cette force pour mettre la pression.
Si ça se passe comme ça, ben un noir il est un peu en difficulté et la force va se déplacer ailleurs. Je sais pas, peut-être que je dis des bêtises. L'extension, ça semble un peu long. Après, bon, il a eu les points, hein. J'ai pas trop réagi. Tac tac tac. C'est ici en fait, je sais pas trop comment gérer ces trucs. Pouf pouf. Ouais, peut-être que ici je réagis mal. Peut-être qu'il faut que je vienne directement mettre essayer de rentrer et en même temps de menacer d'aller dans cette direction. Ça peut être intéressant. Oh, allez là, direct après. Ouais. Hop. Ouais. Il joue dans le point vital, de la forme. C'est un peu lent tout ce que je fais. Peut-être que je dois encore une fois venir là. Il prend ça, bon, ça creepy. Alors, il faut qu'il prenne encore, et on est content d'aller là, ça détruit tout. Donc jamais il joue ça. Donc quand on fait ça, en fait, venir là à la rigueur, mais il a pas eu cette pierre. Donc quand il vient là, on vient ici et c'est séparé. Ouais. S'il vient là, on vient ici, est-ce qu'il peut couper? Il peut couper. Intéressant. On irait plutôt là, il vient là, on vient là. S'il vient ici, tac tac, ok. Il peut faire ça. Il peut aller directement à l'intérieur. On viendrait ici. Oups. On manque de liberté encore une fois. On peut pas parce que il capture. Ah. Non, ça se joue pas, c'est plutôt ça. Mais ça, c'est embêtant encore une fois. Faire ça à la rigueur, hein, mais... Je sais pas. Je sais vraiment pas. C'est avant qu'il y ait des problèmes, hein. C'est avant. Du coup, c'était vraiment peut-être celui-là, hein, tout simplement. Mais là, en fait, je me disais, il y a ça, et je peux presque à la rigueur faire ça. Après, c'est peut-être un peu dangereux ici, mais on n'est pas solide. Donc ça, c'est sur mon... Là, je sais pas. Je sais pas comment réagir, en fait, ici. Si on fait ça... Je me demande s'il peut pas tout ça pour faire ça, parce qu'on peut pas aller là, hein, sinon, tac, tac, non, pas. Tac, il descend une fois. Et si je descends, ben, capture. On ferait ça? On va vraiment faire ça, sinon, on le capture. Si c'est ça, on capture. Ouais, peut-être que c'est ça, tout simplement. Juste jouer l'angle vide ici pour solidifier. Peut-être que j'ai eu peur pour rien, ouais. C'est possible. On verra ce qu'on dit l'IA, encore une fois. Ouf. Donc là, on vient là. C'est un peu drastique, hein, surtout que notre forme, c'est dégueulasse. Et c'est le même problème que tout à l'heure. Ah non, maintenant, oui. C'est normal. Mais là, ouais, le point vital. Le Kosumi, on dit souvent que son point vital, c'est à... Si ou ici en fait. Bah tout simplement ce qui empêche de faire une gueule de tigre qui a une très belle forme. C'est souvent le point vital du Kosumi. Et ici il fait ses points et il se dit bon vas-y, normalement je devrais avoir assez si je réduis. Donc peut-être que je dois attaquer direct, mais en soi ça donne un peu la même séquence, je dois reculer. Il vient ici, je viens là. Et je sais pas pourquoi en fait quand j'ai joué le Boshi, j'imaginais. Tac, tac. Et que même s'il faisait ça, je pouvais enfermer. Mais même à ce moment-là, il peut aller là. Hein. Donc ouais. Là, j'étais vraiment... j'ai encore une fois réfléchi. Ah tiens, ça c'est idéal pour moi, donc je vais faire ça. Ouais, mais non. Peut-être plus loin. Ou peut-être tout simplement, un truc comme ça. Je sais pas, je sais pas. J'essaie de voir rapidement hein, parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Mais ouais, dès que je fais l'angle vide ici, c'est compliqué. Et là, il réussit parfaitement à venir à l'intérieur. C'est propre, mais en même temps, s'il vient par là, il vient ici. Ouais, et ça réveille pas mal le P17. Ouais, il m'a bien eu là sur toutes les formes. Ici, quand je viens comme ça,
Je disais, ouais, s'il vient par ici. C'est assez dur à dire. Mince, non, sauvegarder. Ouais, non, il y a sûrement rien. Il y a sûrement rien. Bon. On va regarder là. Je vais la sauvegarder quand même et je reviens vers vous dans 2 secondes sur Catherine. Alors, dans la partie, du coup, ça se joue comme ça. Pouf, pouf, pouf. On vient ici. Jusque-là, il n'y a rien de bizarre. Hein. Et quand il joue là, je viens ici et il va là-bas. Et effectivement, il vaut mieux réagir. Même ce coup-là, je pense, c'est pas si mal. Ouais, toujours mieux que celui-là. Ok. C'est pas une grosse erreur d'aller là-bas. Hein. On s'entend. Hein. C'est moins deux. Mais bon. Qu'est-ce que ça donne, ça? Pouf, pouf. Du combat. Faut assumer, mais c'est du combat, quoi. Ok. Vraiment réfuté est le plus simple. Allez là. Ça donne un peu la même séquence que tout à l'heure, mais en plus simple, quoi. Mais il peut faire la double approche en haut, comme on disait. Ok. Et là, il connecte après en C16. Ça, c'est Joseki en haut à gauche. Ça se joue seulement si noir a le chichot. Ok. Dans la partie, je viens là. Dans ce cas-là, il passe au-dessous. Et encore une fois, il faut que je réagisse parce que ça, c'est un peu lent. C'est un peu lent. Mais ici, ouais, je me disais, tiens, il va faire la séquence normale. Il connecte. Je vais là, tac. Et l'IA a l'air de dire, non, non, c'est OK pour noir. On est à plus 9,8 alors qu'on a commencé la partie à 5,2. Donc non, il a l'air de dire, c'est OK. Normalement, blanc, on doit faire la séquence classique quand on répond là, c'est ça, quoi. Pour changer de direction. OK. Et en faisant ça, la partie est encore mince et équitable, quoi. Ça n'a pas changé le statut par perdu. Ok. Donc, tac, 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 tac. Donc, ouais, c'est. Ça va. Et lui, effectivement, c'est l'extension. Bon, ça se joue aussi, mais non, c'est l'extension, donc je disais n'importe quoi. Et jouer tout de suite à la frontière des moyens. Ok. C'est urgent. Ça roule. Tac. Je mets la pression en haut. Il vient ici, c'est bizarre. Et j'approche, ouais, il faut approcher maintenant, mais ça se joue aussi tout à fait, ouais, ok, ça se joue tout à fait. Il pince, je prends le coin, tac, 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 tac. La plupart des coups qu'on a fait, ça va en fait, hein. On n'a pas eu de grosses erreurs pour le moment. Et ouais, il faut plutôt aller en haut, mais il va là, donc je coupe. Tac, il faut faire un nez, ok. Faut aller là, ok. Il pousse, je vais là. Et il faut Tanuki, ok, c'est seulement que j'ai insisté. En fait. Oui, c'est une pierre de coupe, mais pour l'instant le chichot ne marche pas pour lui. J'ai donné de la valeur à cette pierre. Et après, je suis en mode ouais, je veux plus les perdre et tout absolument parce que ben voilà, j'ai investi. Et je parlais du L4. Je le disais dans la partie, hein, tiens, on peut faire ça, s'il couvre au-dessus, on peut passer au-dessous. Ouais, voilà, c'est séquence classique, hein, j'invente pas non plus. Mais après nos séquences ici, voilà, on va dire jusqu'à ce qu'il joue dans le point vital du Kusumi. Ah voilà, on ne peut plus. Enfin, selon l'IA, si, mais c'est vraiment beaucoup plus dur, je trouve, de venir là. Voilà, maintenant, ce serait plus le année au-dessus, c'est jouer solide parce que on manque de direction, de possibilités. Donc ouais, je me suis retiré des possibilités en faisant cette séquence et j'ai rien gagné de spécial. Ok. Tac, tac. Ici, ça donnerait quoi du coup? Oh, il fait quand même nobi. On sort. Tranquillement. Fait nos petites formes, ça menace ça aussi. Ok. Donc il fuit. Il a encore temps pour modeler là-bas, mais non, j'insiste. Après, on est 12 points devant, hein, c'est bien. Et il vient ici, ça c'est très bizarre. On est 16 points devant, on fait l'atari, il connecte, on connecte, il sort. Encore une fois, petite erreur, mais c'est pas des grosses erreurs, hein, c'est encore au maximum 1,5, 1,6. Donc à mon niveau, c'est tout à fait tolérable. Hein, Et à mon niveau, c'est que dalle, ça. Pourcentage de victoire, ça te dirait quoi? Non, je sais pas si j'ai marqué. Oh, c'est pas grave. Tac. En tout cas, on perd rien en points, quasiment. Et il vient faire Boshi. Ok, d'accord. Moi, j'étais en mode, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Mais là, l'IA, elle dit, mais non, t'es large, tranquille, viens envahir. Ok,
J'avais un peu peur quand même, si viens-tu. On doit tout comme dans l'autre séquence, ok. Le next, nous on se casse. Oui. Du coup, selon l'IA, non, ça ira large. Est-ce qu'on a ce coup-là ou la sortie? C'est logique en soi. En fait, je vais directement connecter mes pierres, alors que c'est moche. Et je le permets de fermer, alors qu'on peut d'abord s'installer, et au pire, on peut sortir ou connecter nos pierres. Et notre forme, elle est pas si moche pour l'instant. Ouais, c'est. Je me suis précipité. Ok. Donc je viens là, tac. Et je me précipite. Tac. Connect, certes. On peut encore venir là, hein. On a pas mal de possibilités. Ok. Donc là, on se précipite et c'est ça qui change un peu le statut de la game, quoi. Après, il dit qu'on est toujours 8 points devant. Bon. On connecte, mais on perd des points. Il vient par là, c'est pas mal. Par contre, la pointe noire, j'aurais jamais trouvé, j'aurais jamais osé, je pense, surtout ce coup-là. Ça donne? Ouais, j'aurais jamais osé. C'est compliqué, on va pas trop regarder ça. Je viens par là, c'est pas une grosse erreur. Tac, on appuie. Et on vient développer. Ok. J'hésite vraiment ces temps-ci, quel côté est le mieux et tout. Voilà, il dit retire le plus edgy possible. Mais après, c'est pas une erreur de faire ça. Hein. Il vient forcer, il appuie là. Ouais, là je connecte comme une brute, mais en fait, même s'il coupe, ben on connecte. Mais quoi ensuite, là s'il insiste avec ça, ben il est mort quoi. Ok. Donc là je pouvais ne pas connecter. Il vient ici, je protège. Il vient là, je protège. Il vient par là. Et effectivement, c'était un peu moins loin que le Boshi en fait. Le Boshi il laisse trop de faiblesse. Donc un coup par là, c'était bien. Il vient ici, et encore une fois, je jouais comme une brute. Et là, la partie s'équilibre. Et là, il prend. Attends, il fait aussi une grosse erreur? Pourquoi quand il fait ça? Ah, bah oui. Ok, connect, mais moi, je prends tes pierres. Bah, il y a toujours la menace de prendre les pierres, mais s'il vient, bah, c'est dangereux. Ok, le maintenir faible, tout simplement. Ok, c'est intéressant ça. Tant pis, j'ai fait une erreur. Ok, bon, on laisse le sortir. Mais un jour ou l'autre, tu pourras récupérer ça. Pour l'instant, pour lui, c'est trop long de venir là, donc il sort. Et on le fait courir. Parce que lui, s'il protège, il y a toujours ce coup-là qui dit, mais tu n'as qu'un œil pour le moment. Parce que ça menace d'aller là. C'est intéressant. Donc on fait tous les deux des coups à moins 10. Ici, il faut que je vienne là. Ok, ça continue à dire ça, c'est un faux œil et je le développe plus facilement en haut. C'est intéressant. Sur la cinquième ligne, quand même. Alors que l'autre part... dans la partie, il y a des faiblesses. Bon, il force assez simplement. Bon, il fallait que je continue. Et que je sacrifie un peu du coin pour être plus solide. Ok. Je viens par là, je recule. Tac. Protège. Ouais, je joue trop lentement en fait ici. Du coup, je suis toujours en avance, mais. On recule, et voilà, là, la partie est équilibrée. Il vient par là. Si, si. Et là, il prend de l'avance petit à petit, je pense. Ok. Pour eux, je suis toujours en avance, hein, donc. On va regarder là le graphe surtout. Quand je fais une très 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 grosse erreur, pour eux. Pourquoi c'est une si grosse erreur? Est-ce qu'il peut aller là? Ah ouais, c'est Miyai. C'est Miyai. Si je connecte ici, il peut couper là. Si je connecte ici, il peut couper là. Et là, on peut aller là. Potage. Ouais, c'est la merde. Ok. Ah oui, il y avait une grosse, grosse perte, effectivement. Il l'a pas vu. Il m'a donné le crédit, donc il fait une grosse erreur aussi, donc c'est pour ça que ça descend, ça monte. Ah ouais. Là, c'est dur. Et après, c'est lui qui fait une très grosse erreur. Sérieux? En allant ici, il fait une très grosse erreur. Je peux faire ça, vraiment? Ça marchait? Moi, j'ai l'impression que ça marchait pas. Et lui dit si, si, il est mort. Sérieux?
Et ce que je lisais dans la partie, c'était quoi? Je lisais. Si on faisait ça, ça ne marchait pas. Là, oui, on est d'accord, ça ne marche pas. Hein. Si on fait ça, je disais que. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah, je sais même plus ce que je disais, mais je disais que ça marchait pas. Ça, effectivement, ça ne marche pas du coup. Ce qui peut simplement. Ça, ça marchait. Ah, je devais lire des trucs comme ça et je devais me dire ça marche pas, mais en fait. Bah, pro ici. On va essayer de bloquer. On va aller à l'intérieur. S'il veut d'un côté. Ah là là, effectivement. Ah, on pouvait gagner sur la fin et le tuer. Merde. Même à ce moment-là, il dit d'abord force, et ensuite fais ta séquence. Sortir une liberté aux deux pierres, là. Ok. Bon, je le voyais pas comme ça. Tant pis, je suis vraiment passé à côté d'un truc énorme. Et du coup, c'est pour ça que ça monte, ça descend ici. Hein. C'est pour ça. Et du coup, à la fin, bah oui, là, je me compte en retard. D'ailleurs, je me comptais 15 en retard, mais non, c'est 8. Et j'ai beau réduire un peu, hein, pour finir moins 3-5. Donc j'ai l'impression que dans la partie, j'ai pas si mal joué, mais vraiment trop mou. Je sais pas, je me laisse intimider par l'adversaire, j'imagine. Ah, dommage. Il dit 2,5, non, 3,5, mais vraiment, vraiment dommage. Il y avait vraiment des choses à faire sur cette partie. Voilà, bon, on va s'arrêter là. N'hésitez pas, encore une fois, à aimer, commenter, tout ça. Et on se retrouve pour les rondes 4 et 5 de l'Open de Sitz. Donc cette semaine, ça sortira jeudi et dimanche. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour redémarrer les streams tranquillement. Donc lundi, la semaine prochaine, sûrement lundi soir, le 24. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous et à la prochaine. Salut !